Je m'appelle Kevin Reverrand, je suis là pour vous parler un peu du kit que j'utilise sur scène et en studio. Voilà, je joue à Aguilar depuis pas mal d'années déjà. Alors j'utilise cette tête Tonhammer 500 sur la plupart des concerts que je fais dans des salles allant jusqu'à 2000-2500 places. J'ai joué à l'Olympia notamment avec ce système et c'était très efficace. Alors ce qui m'a charmé sur cette tête d'ampli, c'est tout d'abord la simplicité. Moi je suis pas un geek du matos, et j'aime bien quand c'est simple. Le côté, je branche ma basse dans une tête d'ampli, je monte le volume, ça marche. C'est ça qui m'a plu. Alors j'ai une façon un peu particulière de régler l'EQ, à savoir que je booste quasiment jamais les fréquences. Sauf si vraiment je suis dans une salle très très mat où j'ai besoin d'avoir plus de bas, mais c'est assez rare en fait. En fait, je me sers essentiellement du paramétrique médium en choisissant la fréquence qui me gêne par rapport à l'acoustique de la pièce, et en la baissant. Là, en l'occurrence, cette fréquence-là, je la trouvais un peu gênante. Ça parlait un peu du dé, donc je la baisse. Voilà, en coupant des médiums, on fait ressortir du bas. C'est un peu la façon que j'ai de régler mon ampli, un peu comme en studio, en fait. Quand on équalise un instrument, on cherche la fréquence qui gêne et on la baisse. Ce qui me plaît beaucoup dans ce système et dans cette philosophie d'ampli, c'est le côté très neutre et très coloré au sens chaud du terme, à savoir qu'il y a un bouton de drive qui génère un peu des harmoniques un peu vintage. C'est pas un ampli des années 60, on est d'accord, mais ça reste assez neutre et assez proche en montant le drive des amplis de cette époque-là. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce système. Ah non, il faut rajouter un truc très important, c'est que c'est très léger. Et c'est quand même très pratique. Ok, je vais vous parler maintenant un peu des effets que j'utilise, toujours fidèle à Aguilar. Alors, cet effet-là, c'est le premier que j'ai eu, l'octamiseur Aguilar, qui est un octaveur. Et je vais vous faire écouter un petit peu, sans et avec. On va passer sur la disto, sans et avec. Donc c'est très, très expressif comme effet, après il faut en avoir l'utilité. Moi je m'en sers surtout pour faire des fils au sein de lignes de basse. Donc je joue une ligne de basse et à un moment je l'enclenche pour faire un fil pour sortir un peu du mix. Après, le filter twin, c'est un enveloppe filter, une genre d'auto-wah. Alors, ce qui est intéressant, c'est de combiner le filter twin avec l'octamiseur. Je trouve que ça marche bien. Après, faut avoir un ampli derrière qui encaisse bien, et c'est vraiment le cas de cet ampli-là, notamment avec les baffles SL112, qui, même avec deux baffles seulement, ça génère énormément de graves, et ça encaisse largement l'octamiseur. En fin de chaîne, ce qui est intéressant, c'est de mettre un compresseur, ça fait surtout plaisir aux ingé-sons. En tout cas, ce compresseur-là, moi, je m'en sers vraiment en termes de limiteur. Je vais vous faire écouter avec et sans. Sans et avec, plutôt. Thank you.
Donc ça limite ce qu'on envoie dans l'ampli et dans la console. Alors peut-être que ça, on a la sensation d'être un peu bridé, mais ça aide à vraiment rester dans le mix. On a beaucoup plus de puissance sans, mais c'est plutôt gênant en fait. Et de toute façon, si vous n'en mettez pas, l'ingénieur du son, il en mettra un lui. Pour terminer, le Tone Hammer Aguilar, c'est un genre de super DI. Alors j'avoue que moi, j'utilise pas cette DI dans l'idée où j'utilise aussi l'ampli. C'est un peu soit l'un, soit l'autre. En gros, j'emmène ça dans ma valise quand je pars en tournée au bout du monde. J'ai toujours ça dans ma valise parce que ça me permet d'envoyer à la console un son un petit peu équalisé. Il y a sensiblement la même équalisation sur la Tone Hammer DI que sur la tête d'ampli. Et en plus, il y a une petite disto à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas la disto. Il y a tous les potentiomètres pour régler plus de bas. Et il y a aussi l'équaliseur paramétrique qu'on retrouve ici, où on peut monter la fréquence et choisir la fréquence qui nous gêne. Là, il y a beaucoup de haut médium, donc je peux choisir la fréquence comme ça, en mettant le level à fond, et je la descends. Et la disto qu'on active ici, qui s'appelle AGS. Et une particularité aussi de cette Tone Hammer, c'est qu'il y a une sortie XLR, donc comme une DI standard, avec un link pour aller dans l'ampli, et que la DI peut être alimentée directement depuis la console, donc vous n'avez pas besoin de mettre de pile ni de transfo. Voilà, le 48 volts de la console suffit à l'alimenter. Pour revenir sur la tête d'ampli, moi j'utilise souvent cette tête en studio. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'elle a un bon grain, notamment à bas volume, ce qui n'est pas le cas de tous les amplis. Et ce petit bouton magique de drive permet de donner du caractère au son. Je me sers aussi de la sortie directe, souvent. Je vais vous faire écouter sans drive, donc le drive à zéro. Alors, on gagne en volume, mais c'est pas ça qui est vraiment spécialement intéressant, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, le caractère et le côté un peu sale, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Voilà, moi généralement je le règle à la moitié, c'est un bon compromis, je trouve. Bon, je vais jouer un petit morceau pour terminer. Thank you.